Donc, je suis ici à la rencontre d'un jeune maraîcher, Monsieur Foukou Romaric. Donc, ici, c'est sa plantation de carottes. Vous pouvez observer comment c'est beau, le champ est assez propre. Vous pouvez voir comment ces carottes se développent. Donc, il va nous expliquer comment il procède donc pour réussir sa culture de carottes. Alors, Monsieur Romaric, bonjour. Bonjour Enes. Oui, merci. Je vois, tu es à l'œuvre là. Bien sûr, je suis au champ. Je constate que effectivement, ça promet dans ta ferme agricole. Tout le monde peut observer. Monsieur Romain, qu'est-ce que tu as cultivé sur cette parcelle? J'ai cultivé les carottes. Donc, les carottes, est-ce Oui. bon du moins? Les internautes veulent bien savoir comment se passe la culture des carottes. La culture des carottes se passe très facilement. Donc, sur cette parcelle, j'ai d'abord cultivé, je suis venu, j'ai tracé les lignes de cette façon, à l'écart de 5 cm entre les lignes, Ah, pour placer les semences. pour placer les semences. Oui. Je prends la semence des carottes, Oui. je dépose les graines de carottes à l'écart de 5 cm Oui. dans les lignes. Dès que je finis de le faire dans tout le champ, je prends les fientes. Par exemple, comme je prends un exemple, si ça c'est un échantillon de fientes, Oui. je viens verser sur les graines de carottes que j'ai déjà mis dans les lignes. Oui. Et puis j'arrose, ça se germe seul au bout d'une semaine ou trois. Voilà, bon, du moins, monsieur Romaric, donc on voit comment c'est vraiment impeccable là. C'est très beau de voir ce que vous êtes en train de faire en tant que jeune. Bon, du moins, je veux savoir quelle est la quantité ou le grammage de carottes que vous avez semé sur cette parcelle. Bon, sur cette parcelle s'étend sur une superficie de demi-hectare et j'ai germé une boîte de 500 grammes. Donc, une boîte de 500 grammes sur demi-hectare. Oui. Oui, et bon, du moins, donc du semis jusqu'à la récolte, ça prend combien de temps? Du semis jusqu'à la récolte, c'est 3 mois, 2 semaines. 3 mois, 2 semaines. Oui, en zone de froid et en zone où il fait un peu chaud, c'est 3 mois net. Maintenant, quel peut être le rendement? Bon, le rendement sur une boîte que j'ai germée, si je réussis tel que c'est en train de se présenter, je peux facilement avoir 100 filets. Sans filet. Et oui. Pour les demi. Une boîte. Romaric, tu sais, vraiment, dans le maraîchage, ce qui m'intéresse, c'est la production. Hein. Donc, comme tu le dis ainsi, donc avec les 500 grammes hein, de carottes que tu as Effectivement. cultivées, c'est-à-dire une boîte, tu Oui. peux avoir combien de filets? Tu as parlé de 100 J'ai filets. parlé bien de 100 filets. 100 filets. Oui. Et maintenant, à combien, par exemple, on peut vendre un filet de carottes? Bon, ça dépend, ça varie. Le prix varie de 4 à 14 000. Présentement, c'est 7 000 francs le filet. Donc le filet sur le marché, c'est 7 000 7 000 francs francs à le... l'heure où nous sommes en train de Oui. parler. Donc c'est-à-dire que effectivement, si on fait un peu les calculs, donc pour les Pour les disons pour 100 les 100 filets, filets, on peut on facilement peut avoir facilement avoir 700 000. 700 000. 700 000. Oui. Et ceci en 3 mois. En 3 mois, Ça, c'est pas c'est possible. très rentable. Donc c'est une culture vraiment rentable. Vraiment, vraiment. Donc du moins, je ne sais pas, quel est le conseil que vous pouvez donner par exemple aux jeunes qui veut se lancer dans la culture des carottes. Donc, Monsieur Romari, quels sont les pièges, par exemple, pour les jeunes maraîchers qui veulent se lancer comme toi? Quels sont les pièges, par exemple, qu'ils doivent éviter pour mieux réussir leur culture de carottes? Pour mieux réussir la culture de carottes, il faut rester concentré dans le jardin. Il faut ne pas laisser les herbes monter. Il faut donner de l'engrais. Il faut verser de l'engrais au temps opportun, les fientes au temps opportun. Il faut bien faire le traitement. Il y a des fongicides à pulvériser. Il ne faut pas négliger. Donc, c'est pour dire qu'effectivement, il faut une présence régulière sur le site de production. Et bien sûr. Donc, et aussi ne pas laisser les herbes Envoyer le envahir le champ. champ. Donc, du moins, ça me rassure hein, parce que on voit là, la plantation est bien propre. Donc, ça montre combien de fois ce que vous dites est très, très pertinent. Donc, et voilà. Voilà. Et on vous donne rendez-vous. À la prochaine sur El Agro Africa.